Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de deux nouveaux plans dans un nouveau Genius Off. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc on ne perd pas de temps. C'est parti. On va parler de Matteo Mancuso avec un petit plan qui joue sur Spain et de Govan, bien sûr, le maître absolu. Et on va parler du coup d'un contexte de blues mineur cette fois-ci. Donc je vous joue les deux plans et après je détaille un peu ce qui se passe. Donc pour Matteo Mancuso, c'est sur Spain et bah c'est parti hein. Voilà, donc dans ce plan, en fait, on va utiliser de la triade et finalement la gamme de si mineur. Donc on commence avec cette triade sweepée. Et on vient faire un petit hammer sur le mi, la 13e du sol. Donc les accords sont affichés en haut, hein, c'est pour ça que je détaille pas trop. Donc notez bien le départ en levée sur le et du 4 avec des sextolés. Hein. Donc là, dans ce cas-là, c'est plus simple de sweeper, hein, je pense. Et après, on va faire une cascade descendante d'arpèges. Et on va finir par une note résolutive qui est le do dièse sur le fa dièse, donc c'est la quinte. Ce plan a vraiment une connotation un peu dramatique, je trouve, qui est très sympa. Donc bien sûr, Matteo Mancuso a une technique exclusivement de jeu au doigt, donc qui est très difficile à reproduire quand on joue au médiator, ce qui est mon cas. Mais quoi qu'il arrive, le choix des notes est très pertinent, je trouve. Donc, lentement, ça fait ça. Hein. Donc, ce qui est difficile, c'est vraiment quand on enchaîne le premier hammer, là, finalement sur la mesure 3, là. Tout de suite, on va faire un mouvement inverse. Et comme on change de corde, c'est assez difficile à contrôler de façon propre avec la distorsion. Hein. Et voilà, cette résolution sur la quinte d'arrivée est vraiment magique, je trouve quoi. Donc essayons avec le métronome. Donc vous voyez, ce qui est difficile, c'est de ne pas accrocher au milieu du plan dans la succession d'arpèges. Donc là, il faut y aller vraiment lentement. Hein. Moi, je ne l'ai pas encore bien dans les pattes, mais je voulais le partager avec vous quand même. Quoi. À cette vitesse, c'est négociable, mais dès qu'on met le métronome, là, il est à 100. C'est plus difficile, hein. Donc un truc que j'ai remarqué, c'est que le sens des coups de médiator peut éventuellement être brisé ou inversé, si je puis dire, du fait de la nature du plan. Vu qu'on va séquencer des arpèges et qu'on ne va pas utiliser, enfin en tout cas personnellement je n'utiliserai pas la technique de l'aller-retour, je vais plutôt utiliser l'économie picking, c'est-à-dire que je vais dans le sens du mouvement mélodique et non pas dans le sens où je devrais des fois aller rythmiquement. Alors certains seront peut-être pas d'accord avec moi, mais voilà, par exemple, quand on vous fait les premières notes, là, le départ enlevé, bon bah là je vais faire que des coups vers le bas. Hein. Donc on pourrait dire que c'est du sweep. Et normalement, sur la mesure 3, on pourrait dire, vu qu'on démarre sur une deuxième double croche du premier temps, ça devrait être un coup vers le haut. Ce qui est possible, hein, mais j'ai remarqué que quand je faisais ça, j'avais du mal après à être fluide au milieu du plan. Donc du coup, des fois, j'essaye aussi d'inverser le sens du médiator, ce qui est, faut essayer, hein, des fois, ce qui est contre-intuitif peut finalement se révéler être plus efficace dans l'exécution d'une ligne mélodique, quoi. Voilà, en tout cas, c'est mon avis.
Donc ce qui est pas facile, hein, effectivement, c'est le séquençage d'arpèges au milieu, quoi. Mais allez-y lentement, vous allez voir que c'est assez chouette à rajouter comme petit plan dans votre vocabulaire. Donc évidemment, c'est utilisable dans n'importe quel contexte de si mineur, hein, et même si là, la note résolutive, le do dièse, hein, sur le fa dièse, donne ce côté dramatique, vous obtiendrez à peu près le même effet dans un contexte de si mineur. Je laisse encore un petit peu le métronome. Donc là, par exemple, là, j'ai vraiment utilisé un coup vers le haut pour faire... un coup vers le bas, pardon. Même deux coups vers le bas consécutifs. Alors que normalement, je devrais faire au bas. Mais on est un petit peu piégé, du coup, entre deux cordes après. Et c'est pour ça que je pense que la fluidité n'est pas au rendez-vous, quoi. Donc sur l'autre plan, on va plutôt se mettre un son crunch, là, le Govan. Et je vais vous afficher l'autre tablature. Alors c'est celle-là. Voilà. Donc ici, on est dans un contexte de blues mineur, mais l'accord du quatrième degré va être un accord 7 au lieu de mineur 7, hein, traditionnellement dans les blues mineurs. Donc, on va, je vais le jouer une fois et puis après, je vous détaille ce qu'il y a un peu comme ingrédient, quoi. Donc ça sonne très bluesy. Le choix des notes est extrêmement pertinent. Et ce qu'on va utiliser un petit peu comme différents outils, c'est la gamme pentat mineur de si, l'arpège de mi 7 et un petit bout aussi de la gamme majeure pentat de si. Donc notez bien le départ en levé sur ce qu'on pourrait appeler la blue note, mais en fait c'est pas la quinte bémol, hein, parce que là on n'est pas sur le si mineur, on est sur un mi 7. Donc en fait c'est comme si on bendait la 9e bémol vers la 9e juste. Et après, on va l'entourer avec ce petit trill un petit peu bluesy. Vous voyez, dans la box 3, hein, de la pentatonique mineure de si. Hein. Et là, on va récupérer la tierce de l'accord. À partir de là, on va descendre l'arpège 7. Saut de corde. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est le mélange gamme pentat mineur de si et arpèges de mi 7. Donc c'est pas facile de jouer les arpèges 7 quand on les séquence comme ça et que ça sonne pas trop scolaire. Hein. Donc qu'est-ce qu'il fait Govan là? Il vient en fait briser ça en faisant un arpège descendant et en mélangeant ça un petit peu avec la gamme. Hein. C'est ça qui est intéressant. Et là on a un saut de corde de la tonique du mi vers la quinte, le si. Là, on va slider pour finalement récupérer un petit bout après de la pentat majeure. Vous voyez, hein. Donc, je vais faire ça avec le métronome un petit peu. Vous voyez, donc ça va très 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 vite. Donc c'est pas évident d'avoir vraiment ce découpage rythmique là. Mais ce qui est intéressant encore une fois, c'est d'analyser un peu ce qui se passe dans le plan. Comme ça, vous pouvez après, dans n'importe quel contexte de blues mineur qui va vers le quatrième degré, réutiliser un petit peu ce genre de phrase pour faire entendre les accords, quoi. Ok ? Des fois, c'est pas facile de jouer clean. D'ailleurs, vous le voyez que même moi, j'ai besoin de pratiquer ça aussi, quoi. Donc, j'espère que ça vous aura plu, ces deux petits plans. Je pense que vous aviez peut-être pas le métronome. J'ai dû oublier, à mon avis, de mettre le... Non, c'est bon, je l'avais. Donc, vous devriez avoir aussi le métronome qui tournait en boucle, quoi. Donc... ces deux plans sont vraiment très très chouettes à rajouter à notre petit vocabulaire. Et puis bah écoutez, je vous retrouve très bientôt pour soit des nouveaux plans, soit quelques vidéos qui étaient en préparation que j'ai pas trop sorties parce que j'ai eu quelques petites galères, notamment avec le téléphone, pour filmer. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouveaux contenus. Ciao.